Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, très heureux de vous retrouver une fois de plus pour suivre cette émission Profondeur, que vous êtes très nombreux à suivre. Et ne vous en faites pas, quand vous me rappelez, vous me faites plaisir. Donc, continuez à m'appeler. Et j'ai remarqué que dimanche, on m'appelait encore un peu plus que les autres jours. Donc, continuez, ne vous gênez pas, ne demandez pas pardon. Aujourd'hui, nous allons parler, comme vous l'avez vu quand défilait le générique, nous allons nous poser la question de savoir d'où nous venons. Parce que c'est en sachant d'où nous venons que nous allons avoir un peu plus de lumière sur le chemin à parcourir. Je crois que nous sommes tous d'accord. Et pour cela, j'ai avec moi Monsieur l'abbé José Poundou. Monsieur l'abbé José Poundou, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, Jean-Pierre. Sans clergyman, voilà, ça on change. Vous confondrait, on croirait que vous n'êtes pas l'abbé. Mais l'abbé ne faisant pas le moine, voilà. Le demeure. Alors, l'autre invité, Modeste Bonigaba, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, Monsieur Kibambi. Égal à lui-même et toujours présent. Monsieur l'abbé, oui. C'est vrai qu'il faut vraiment approfondir son passé pour mieux ajuster le tir qui va nous amener vers l'avant. Et d'ailleurs, en faisant table rasa de notre passé, le colonisateur faisait ce qu'il voulait. Et même celui qui a commencé la traite des Noirs, n'est-ce pas? Absolument. Je crois que la question de savoir d'où venons-nous est une des questions fondamentales pour la refondation de la nation. On ne peut pas refonder la nation, on ne peut pas faire renaître la nation, pour ainsi dire, si on ne connaît pas son histoire, si on ne connaît pas d'où l'on vient. Oui. Et d'où l'on vient, il est très important pour nous, Africains en tout cas, de nous dire que notre histoire n'a pas commencé avec la traite négrière. Notre histoire n'a pas commencé avec la colonisation, donc la période coloniale. Il y a eu une période pré-coloniale, il y a eu une période pré-traite négrière, pré-esclavagisme, n'est-ce pas? Mais cette période a été occultée dans l'histoire que nous apprenons. Elle a été occultée, et ce qui fait que les valeurs qui étaient les nôtres, qui étaient celles de nos ancêtres, de nos aïeux, eh bien, ces valeurs, nous les avons quelque peu perdues. N'est-ce pas? Et alors, il est important... Pourquoi vous dites quelque peu? Quelque peu pour atténuer. Pour ne pas être trop... vous êtes gentil. Voilà. Mais nos valeurs ont été tout simplement méconnues et détruites en quelque sorte. N'est-ce pas? Et on nous a mis dans... on nous a créé une histoire. On nous a créé une histoire qui n'est pas nécessairement la nôtre. Voilà. Et alors, il faut maintenant que nous retrouvions nos origines, notre histoire, pour repenser notre présent et penser notre avenir. D'accord. Qu'est-ce que M. Bonigaba a à dire? Autrement dit, il faut réécrire notre histoire. Parce que celle qu'on nous a servie... n'est pas la nôtre. ...était une histoire... trafic. En fait, de nous inculquer la soumission. Montrer que nous n'avons jamais été autre chose que des gens à soumettre, de moins que rien. Parce que même lorsqu'on prend le passé colonial déjà, on ne montre pas les actes de résistance à la colonisation. Parce que non. Nos ancêtres ont résisté à la colonisation. Mais ceux qui ont résisté, on a comme fait tout pour que les générations suivantes ne sachent pas qu'on avait résisté.
Tout ça parce qu'il fallait, dans notre mental, loger l'idée que nous avons été créés pour être des êtres inférieurs. Donc, cette histoire-là qui nous incite à aller voir ce qu'il y avait avant, c'est très très important, parce que nous avons malgré tout, même si je sais de occulter ou de minimiser, mais nous avons connu des grands empires ici. Les empires du Monomotapa ici au Zimbabwe, les empires en Afrique australe, l'empire Zoulou, etc. Donc, à l'ouest aussi, l'empire Songhai, l'empire du Ghana, l'empire du Mali. Donc, nous avons le devoir de revenir à ce passé-là pour montrer aux jeunes générations que ce qu'on leur a raconté jusqu'ici n'était pas tout à fait ça. Et cela nous permettra effectivement maintenant d'envisager l'avenir avec plus de confiance en nous. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas confiance en nous, manifestement. Nous avons été instruits, nous a montré que nous n'avions pas d'avenir sans le maître qui a toujours été là pour nous aider à nous émanciper et ainsi de suite. Tout à fait. Cette image, cette histoire nous a été cachée. Parce que je vais vous rappeler la conversation que j'ai eue avec un jeune frère grec qui s'est naturalisé congolais, Stavro Papayohannou. Je vais le voir, il me montre un livre pour me dire pourquoi il a pris comme nationalité, comme tribu, la tribu Sangha. Il me montre un livre dans lequel il est bien démontré que ce peuple-là avait un chef qui s'appelait, le nom va venir, eh bien, ce chef-là était à la tête d'une résistance et il est allé se cacher dans une grotte. Ils ont été, lui et ses adeptes, enfumés. Le jour qu'ils sont allés fuyer, ils ont trouvé des gens morts de manière pas naturelle, debout. Quand on meurt, on tombe. Alors, ils ont trouvé qu'ils étaient morts, mais certains appuyés à quelque chose, donc à ce qui tenait la grotte, ce qui n'était pas normal. Et ce livre-là, me dit-il, il a été caché. Lui, il l'avait retrouvé comme ça. Donc, il y a eu véritablement Mulume Nyama, d'ailleurs. Voilà. Et quand vous cherchez, aujourd'hui, vous cherchez Mulume Nyama dans Google, il y a deux, trois phrases. Et pourtant, dans ce livre-là, c'est bien écrit. Et ce livre-là, je crois qu'il y en a, on n'avait pas édité beaucoup pour démontrer qu'il y a eu des gens qui n'ont pas voulu de la colonisation. Et, monsieur l'abbé, vous le disiez, il y avait beaucoup de valeurs. Oui. Alors, allons-y. Mais l'une des toutes premières valeurs que nous retrouvons dans la vie de nos aïeux, de nos ancêtres, avant la traite des Noirs, avant la colonisation, c'est la valeur de la solidarité, de partage. Solidarité, partage, je dirais, c'est une sorte de marque déposée de l'Africain, le négro-africain authentique d'hier, n'est-ce pas? Et une petite illustration. Je ne suis pas né au village, je ne suis pas né dans la société traditionnelle, je suis né en ville, disons. Hein, et j'ai eu l'occasion quand même de me rendre au village, tout jeune. Eh bien, une chose qui m'a frappé, c'est que, d'abord, on ne mange jamais seul. Chez nous, on parle de Ebanga. Ebanga, c'est le hangar. Hangar où se retrouvent tous les hommes, n'est-ce pas?
qui reviennent de la chasse, ils reviennent de, eh bien, ils se retrouvent dans le hangar, hein, sous le hangar, hein, et bang. Hein, et là, eh bien, tout le monde apporte ce qui a été préparé chez lui. Les dames apportent à manger au hangar et tous mangent. Le passant, hein, le voyageur exact. Qui passe, n'est-ce pas, avait eh bien, aussi sa part. Si il arrive souvent le soir, tombé de la nuit, eh bien, on l'invite. Il est associé à ce repas, n'est-ce pas? Il n'a pas à se préoccuper, qu'est-ce que je vais manger pendant mon voyage? Non, il est associé à ce repas. Qui plus est, eh bien, on lui donne même une case pour passer la nuit, parce qu'on va lui dire, écoutez, la nuit, c'est pas bon pour voyager, eh bien, tu vas passer la nuit. On lui donne une case, hein? On lui donne une case, n'est-ce pas? Et ils peuvent aller même plus loin. Et ça, je l'ai vu au village, n'est-ce pas? Et c'est on te donne maître, tu vas dans... Ah oui, on te donne même pas seulement une case, mais on t'offre aussi une compagne de nuit, n'est-ce pas? Pour agrémenter, pour te dire l'accueil. En swahili, on dit mapokeleo. Eh bien, c'est une valeur fondamentale qui, malheureusement, aujourd'hui, est en train de se perdre, de disparaître. Être solidarité et partage. Celui qui va à la forêt, il tue une bête, eh bien, il ne va pas manger sa bête dans la forêt tout seul. Il amène la bête au village. Et on dépèce la bête. Et chacun membre du village reçoit sa part. Et ça ne se limite pas seulement au village de cette époque-là. Nous avons connu ici à Kinshasa encore cette pratique du partage, de la solidarité, n'est-ce pas? Quand maman a terminé de préparer, eh bien, elle met les assiettes pour nous, les enfants, mais elle met aussi une assiette pour le voisin de gauche et pour le voisin de droite. Et on va apporter au voisin, n'est-ce pas, ce que l'on a préparé. Préparer chez nous. Et les voisins font de même. C'est ainsi que nous avons appris à manger les mets d'autres contrées que notre propre contrée, n'est-ce pas? Eh bien, ces habitudes ont persisté ici à Kinshasa pendant un temps, de solidarité et de partage. On est solidaire dans le malheur, on est solidaire dans la joie, on est solidaire. On participe à la joie, on participe au malheur les uns des autres. Et cette valeur, pour moi, elle est capitale. Elle est fondamentale, parce que dans une société capitaliste, dans une société de profit, dans une société du primat de l'avoir, eh bien, on perd ces valeurs-là. D'accord. C'est l'égoïsme, c'est l'égotisme, c'est le chacun pour soi, c'est l'individualisme. Très bien. Mathias Bonikama. Oui, je crois que, en dehors de la solidarité, le mérite dans la société traditionnelle, donc la recherche de l'excellence était une réalité aussi. On ne pouvait pas gravir les échelons dans la hiérarchie sociale si on était un minable, un peu quelqu'un qui n'est pas brave, qui n'est pas courageux, qui ne fait pas des choses assez exceptionnelles. Donc, ce souci de faire en sorte que les meilleurs émergent existait aussi. Moi, je me souviens que mon arrière-grand-père, c'était un monsieur tout à fait ordinaire, mais mon grand-père, lui, était un guerrier et qui a, par sa bravoure au combat, été amené, parce que le chef devait le remercier, lui a dit, maintenant, vous avez l'âge de vous marier, allez chercher la femme qui vous plaît, c'est moi qui paye la dot. À l'époque, le fait de ne pas avoir à payer la dot, mais ça vous propulse. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a aucune fille qui peut refuser de vous épouser. Et mon père, mon grand-père a épousé une princesse, ce qui a fait que... Et en plus, il est devenu notable. Notable, marié à une princesse, bon... déjà,
la progéniture. Bien entendu. Vous voyez, donc, parce que tout simplement, il a été méritant. Ils ont gagné une guerre grâce à lui et à son ami, le père de Cachamoura, que tout le monde connaît à peu près ici. Eh bien, ils ont eu cette élévation parce qu'ils ont été des braves, ils ont été à la guerre, ils ont gagné cette guerre-là. Tout ça pour montrer que la valeur du mérite, de l'excellence, du courage, c'était des valeurs qui étaient, disons, prônées dans nos sociétés traditionnelles. Tout à fait. Eh bien, moi, je vais raconter une petite histoire sur ce que disait M. Labbé. C'est vrai, j'ai grandi en ville aussi, mais j'allais au village chaque vacances. Il était pratiquement obligatoire d'aller au village. Et je confirme ce que vous dites. Mon chef était... Mon grand-père était chef d'un petit village. Eh bien, quand il allait à la chasse, c'est qu'il ramenait du gibier, on préparait, et tous les hommes venaient manger avec nous, et les femmes allaient manger entre elles. Et ce qui est extraordinaire, c'est le partage, justement. Ne distribuez pas la viande qu'ils voulaient. Il y avait des spécialistes pour distribuer la viande. Et, enfin, c'est le chef qui disait, bon, distribuer la viande. Et ça me fait rire parce que... Et celui qui distribue les morceaux, il prend soin de donner d'abord au chef le meilleur morceau, et puis au reste. Et puis lui, il restait avec très peu. Et quand le chef avait les grands morceaux, vous mangez, au fur et à mesure que la nourriture se terminait, il redistribuait et redonnait à celui qui s'est bien distribué, il lui restournait des gros morceaux, comme pour lui dire, c'est bien ce que tu as fait, mais il ne mangeait pas tout. Et moi qui étais à côté, parce que j'étais le... Eh ben, j'avais aussi une part, bon, heureusement assez importante. Ce que je regrette, c'est que, bon, comme c'était la cour du chef, mes amis ne venaient pas. Après, je prenais ma petite part pour aller manger avec des amis. Alors, un jour, il s'est passé quelque chose, c'est que ma grand-mère me dit, tu sais, les bananes ici, c'est pour toi. Hein, ce champ de bananes, c'est pour toi. Alors, puisqu'on a dit que c'était pour... Je vais appeler des amis, on va, et puis on mange des bananes, et il ne faut pas que je sois long, et ma grand-mère de passage trouve qu'on a mangé les trucs, ce que je n'avais pas bien fait, ce que je n'avais pas averti. Ah, de retour, il insulte tout le monde, etc. Mais quand il apprendra que c'est moi qui avais autorisé, elle me dit, mais non, mais... C'est pour toi, mais il faut quand même dire que aujourd'hui tu vas aller manger les bananes. Donc, c'était cette société dans laquelle il faisait bon vivre. Quand un pêcheur allait à la chasse, il venait mettre tout ça ensemble et on mangeait, c'était vraiment la joie au village. Et ça, maintenant, c'est en train de disparaître, peut-être aussi parce que le gibier a été décimé, pas par notre faute, parce que nous faisions ça bien, mais les autres sont venus. Et ce partage-là, cette société-là, peut-être impossible de la récréer, mais pourquoi pas? Ah, mais il faut la récréer. Il faut la récréer, et moi je dirais, là où je donne un peu d'espoir à la renaissance de cette société, c'est que elle n'est pas morte totalement. Parce que, quelque part, même aujourd'hui, nous retrouvons, je dirais, des restes de cette société de solidarité et partage, n'est-ce pas? Même dans les villes aujourd'hui, on retrouve cela. Ce n'est pas totalement mort. Donc, ça veut dire que
nous pouvons recréer notre société, n'est-ce pas, recréer notre culture, hein, retrouver les valeurs culturelles qui sont les nôtres, entre autres cette valeur de solidarité et de partage, pour que nous ayons une autre société que celle dans laquelle on nous oblige à vivre et on nous contraint pratiquement à vivre et dans laquelle nous croyons que nous devons continuer à vivre. Il est important qu'on puisse se dire, halte, arrêtons-nous, eh bien, faisons les ruptures qu'il faut avec un mode de vie qui n'est pas le nôtre, n'est-ce pas, qu'on nous impose de l'extérieur, n'est-ce pas, et que nous puissions retrouver nos valeurs. Je voudrais, disons, renchérir sur ce que notre ami Modeste a dit tout à l'heure par rapport aux méritants, à l'excellence, n'est-ce pas. Eh bien, dans le temps passé, lorsque le pouvoir était transmis de père en fils, hein, eh bien, on ne prenait pas n'importe quel à la mort du père, on ne prenait pas n'importe quel fils. On choisissait parmi les enfants, là, parmi les garçons, parmi les fils, celui qui avait un certain nombre de qualités, n'est-ce pas, hein, de qualités. Hein, et parmi les qualités qui étaient prisées, il n'y avait pas que le savoir, oui, il y avait le savoir, mais il y avait surtout le savoir-être et le savoir-faire. Oui. Et dans notre société, le savoir-être primait sur l'avoir, même sur le savoir-faire, n'est-ce pas? Le savoir-être, n'est-ce pas? Et un autre élément par rapport à nos richesses traditionnelles, c'est le fait que nous l'observons quand même, nous l'apprenons, nous entendons aussi les vieux nous raconter. Le chef ne décidait jamais seul. Il était toujours entouré de ce qu'on appelle le conseil des sages. Les sages, là, eh bien, on ne les avait pas choisis, n'est-ce pas, par un vote ou par élection ou quoi. Non, les sages sont des sages. Les sages, on les voit à travers leur vie, à travers leur manière de faire, d'être, n'est-ce pas? Et on reconnaît en eux des sages par leur conseil, par leur bon sens, n'est-ce pas? Et ces sages étaient autour du chef. Le chef s'entourait des sages, n'est-ce pas? Et ces sages disaient au chef, eh non, ceci, ce que tu voudrais faire là, ce que tu penses faire, ce n'est pas pour notre village, pour notre communauté, ce n'est pas l'avantage de la communauté. Et le chef écoutait les sages. Tout à fait. Et lorsqu'il n'écoutait pas, vous savez ce qu'on faisait? On le démettait. Ah non, non. C'est-à-dire que dans d'autres histoires, on ne le démet pas, on lui tend un piège, puis on dans le coup, on dit le chef est mort. Et, parce que, en fait, à force d'avoir insisté pour qu'il prenne de telles décisions, il était plus sage, lui s'entêtait à faire ceci. Aussi, le chef, malgré toutes les femmes qu'il y avait autour, s'amusait à aller faire autre chose. On s'organisait pour lui tendre le coup tranquillement et dire « Oh, le chef est mort » et tout ça. En fait, je suis d'accord avec ce que vous dites. Cet individualisme-là ne nous amène à rien. À rien. Parce qu'on a vu dernièrement l'histoire récente chez Bongo, toutes ces malles d'argent, mais ça servait à, ça sert à quoi? Vous vous gardez ça pour vous tout seul, mais pourquoi? Un égoïsme poussé à l'extrême, ça amène à cela. Donc, ce partage, il faut que nous retrouvions cet esprit de partage, c'est absolument indispensable. Modeste Bonicama. Oui, ça, en fait, nous devons dire aux téléspectateurs que nous ne sommes pas en train de prôner le retour intégral à l'Antiquité ou aux valeurs de cette époque, parce que le monde a évolué. Mais nous devons faire ce que Mabika Kalanda nous a demandé. Dès l'indépendance, il dit la remise en question. Qu'est-ce que nous retenons? Qu'est-ce que nous rejetons dans ce système qui nous a
dominé pendant toutes ces années, tous ces siècles. Cet exercice-là est indispensable. Nous devons être capables de dire ça, ça va, on peut accepter. C'est ce que les Japonais ont fait. Les Japonais n'ont pas fait autre chose. Avec leur révolution du Meiji, ils ont dit, les Occidentaux insistent pour venir nous, chez nous, eh bien, nous devons finir par accepter, mais c'est à nos conditions, à nous. C'est-à-dire que nous allons d'abord faire notre petite enquête pour savoir telle spécialité, c'est dans quel pays. Et nous allons envoyer nos jeunes là-bas apprendre ça. Si les allumettes, les meilleures allumettes du monde sont fabriquées au Danemark, c'est là qu'on va envoyer nos jeunes apprendre ça. Si les meilleurs chantiers navals, c'est chez les Allemands, on va envoyer nos enfants là-bas. Comme ça, ils ont pris toutes les meilleures technologies de l'époque qu'ils ont amenées chez eux. Et en très peu de temps, ils avaient atteint et dépassé même les pays occidentaux auxquels s'étaient adressés pour apprendre la technologie. J'ajoute quelque chose. Vous savez, j'étais en Corée du Sud. Vous savez, en Corée du Sud, ce qu'ils ont fait, il y a un village, je crois que ça... Il n'y a pas de raison que ça puisse disparaître. Il y a un village, je suis allé visiter avec l'épouse de feu le maréchal, le village des anciens. Ah oui, comment les anciens vivaient et tout ça. Cette histoire-là demeure en Corée du Sud aujourd'hui, que ceux qui y ont visité viennent me dire que ça a été détruit. En tout cas, ce village existe. Comme pour dire, ils ont continué à s'inspirer de leur passé. Je crois que ça, c'est peut-être quelque chose à réinventer parce que les années sont en train de s'accumuler, les vieux risquent de disparaître. Et s'ils disparaissaient, eh bien, cette histoire va disparaître avec. Oui, il faut que nous puissions faire cette remise en question. Il faut que, et ça c'est le, je crois, l'objectif de cette émission que nous faisons aujourd'hui, c'est réapprendre notre histoire, nous réapproprier notre histoire et revaloriser notre histoire. Et dire que notre histoire, ce n'est pas une histoire de fétichistes, de païens, de gens qui n'ont aucune, des sorciers, des gens qui n'ont aucune valeur, n'est-ce pas, et des gens qui ne sont pas civilisés, et on doit nous civiliser, et si vous parlez français, si vous parlez allemand, si vous parlez anglais, si vous êtes habillé en costume, si vous êtes, eh bien, on dit, voilà, quelqu'un qui est évolué, n'est-ce pas, quelqu'un qui est bien, n'est-ce pas, eh bien... Et si vous vivez dans votre petite maison bien barricadée, hein, ah, tout le monde vous considère, tout le monde vous respecte, hein, et tout. Vous êtes préso, vous êtes tout ce que vous voulez, mais nous perdons énormément. Mais M. Lapierre, ce que vous dites est tout à fait exact. Pendant la Covid ou le Covid, oui. Il y a certains qui disent là, d'autres disent le. Ben pendant, vous savez que les bains de vapeur ont sauvé beaucoup de gens. Oui. Ici et en ailleurs Europe. En Europe. Oui. Les bains de vapeur, oui. On vous envoie des... Oui. Mais voilà. Donc il y a des valeurs cachées qui nous appartient d'aller chercher avec détermination et qui pourraient faire en sorte que demain nous puissions vendre ce savoir aux autres, pourquoi pas. Eux, ils nous vendent bien des médicaments, mais nous avons des produits, nous sommes près de la nature et la nature a toutes les vertus. Elle renferme toutes les vertus, notamment les vertus curatives. Et là, un élément important pour renchérir, hein, dans le sens de ce que tu viens de dire, il y avait une autre valeur que nous devons mettre en évidence, c'est l'harmonie avec la nature, la communion avec la nature que nous avons perdue, le respect de la nature.
que nous avons perdu. Aujourd'hui, on nous fait croire que nous sommes des superstitieux hein, parce que on parle du monde des esprits, les esprits, tout ça, de la forêt et tout et tout. Mais en réalité, lorsqu'on analyse hein, le fond hein, de ces pratiques, de ces modes de vie, on se rend compte qu'en fait, ces croyances aux esprits hein, de la nature et tout, c'était une façon de vivre en harmonie, en communion avec la nature. Et nous étions une société véritablement écologique, n'est-ce pas ? Écologique. Aujourd'hui, le pape, quand il parle de Laudato Si, il a écrit hein, une encyclique, Laudato Si, sur le respect, la sauvegarde de la nature, de la créature, de la création hein, et tout, de notre maison commune. Hein, eh bien, je crois que nous avons vécu cela et nous avons connu cela. Mm-hmm. Les gens ne détruisaient pas la nature, ne détruisaient pas l'environnement, n'est-ce pas ? Il y avait un respect de l'environnement hein, qui a été perdu hein, parce que l'économie capitaliste du profit qui veut tout hein, prendre, tout détruire, n'est-ce pas ? Finalement, les arbres, on coupe, alors que la forêt, on détruit, hein, les eaux, on les pollue. Hein, eh bien, nous avons une richesse énorme que nous devons retrouver. Monsieur l'abbé, quand vous parlez des esprits, en fait, la quintessence de tout ça, de croire aux vertus de la nature et tout, finalement, ça se résume en quoi ? Parler avec les esprits. C'est à ce qu'on appelle la positivité. Oui. Je vous raconte une histoire vraie que j'ai vécue dans ma chair. Nous sommes au village, ma mère est malade, et puis le grand-père dit... il va se mettre devant un truc, il parle un peu, et puis il dit, je vais à la chasse. Si je reviens bredouille, ma fille va mourir. Je vais revenir avec deux animaux de sexe différent. Mon cher, nous allons à la chasse, on fait des tours et des tours, rien du tout. Alors vous imaginez, nous approchons du village, moi je mets déjà à pleurer. Et qu'est-ce que nous constatons à quelques mètres du village ? Deux antilopes en train de s'accoupler. On rentre au village, maman qui était couchée, elle sort et demande de l'eau. Celle que je vous raconte, c'est une histoire que j'ai vécue. C'est quoi ? C'est tout simplement... qu'il y avait, on dit il faut être positif, hein, tout le monde connaît ça, il faut être positif, et lui a été positif jusqu'au bout, et je me souviendrai toujours, parce que quand mon grand-père tirait le son, la détonation de son fusil était reconnue par tout le monde, notamment par son épouse, et on a vu ma grand-mère en train de venir avec son bassin, hein. Elle savait qu'il y avait, elle est venue prendre ces deux animaux qu'on a partagés au village, donc c'était tout simplement que l'homme était positif. Mais moi qui étais enfant, quand vous arrivez au large, je dis, ben c'est fini, maman va mourir, elle n'est pas morte parce qu'on a trouvé deux antilopes en train de s'accoupler. Mais bon, il n'y a pas. Alors donc on peut déjà peut-être se demander si notre développement n'a pas été justement bloqué par ces rencontres avec l'extérieur, des rencontres brutales et qui sont venues détruire ce qui existait. Parce que si ça avait été différent, si ça avait été comme je viens de dire, comme au Japon, où on allait dire, tiens, mais oui, ça va, nous sommes d'accord de coopérer et tout ça, mais c'est nous-mêmes qui choisirons et comment on va le faire, etc. On ne serait pas là où on est. Non, pas du tout. On ne serait pas là où on est. C'est parce que la colonisation précédée par la traite négrière, ce n'était pas pour le bien des Africains. Ah non, non, du tout, du tout. Non. Sinon, ils n'auraient pas tout fait pour effacer justement la partie la plus glorieuse de notre passé, de manière à ce que nos enfants ne puissent pas la connaître. Et que les enfants naissent et grandissent dans un monde
où ils doivent continuer à se dire, bah, nous, nous sommes les damnés de la terre, quoi. Mais boulot, c'est ça. Ce que vous dites est tout à fait exact. Le plus riche malien de l'époque, de l'histoire, on parle de Moussa, de Mansa. Monsieur, oui, Mansa. De Mansa Moussa. Ah ben, il semble que cet homme-là se promenait partout, il allait partout, distribuant de l'or et tout ça. Mais c'est pas de bon cœur qu'on pouvait les laisser parader comme ça devant eux. Et donc, il y avait beaucoup de richesses et une bonne organisation chez nous qui a été détruite et qui nous a rendus pauvres, oui. Plus que Job. Une pauvreté, d'abord, mentale. Absolument. Une pauvreté culturelle, n'est-ce pas ? À partir du moment où on détruit le mental d'une société, d'une communauté, à partir du moment où on détruit la culture, c'est-à-dire ce qui a été créé par les hommes, en vue de répondre aux défis de la nature, n'est-ce pas ? Parce que la culture, c'est cela, c'est une création de l'homme pour répondre aux défis de la nature, n'est-ce pas ? Eh bien, à partir du moment où on détruit cela, eh bien, on détruit l'homme. On détruit l'homme, on détruit l'être. Vous voyez ? Et ici, pour parler de cette époque de la traite négrière et puis coloniale qui a suivi, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est la destruction de l'être. C'est la destruction quand de l'être. Quand vous vendez quelqu'un. Oui, quand vous vendez un être humain comme un objet, une chose, eh bien, ça veut dire que vous n'avez pas de considération pour cet être humain. Vous l'avez détruit et vous le prenez pour un objet, n'est-ce pas ? Un objet, un outil de travail. Une marchandise. N'est-ce pas ? Une marchandise qu'on négocie d'ailleurs. On marchande. Ouais. Vous voyez ? Eh bien, ça, c'est quelque chose d'important que nous devons pouvoir dire aux générations actuelles et futures, que la traite négrière a détruit l'humanité de l'homme africain. La colonisation est venue achever ce travail de destruction de l'homme, n'est-ce pas ? Et quelque chose que j'ai déjà évoqué une fois ici, mais j'aimerais l'évoquer d'une manière encore beaucoup plus détaillée, c'est que dans notre culture ancestrale, traditionnelle, et qui nous poursuit jusqu'à aujourd'hui, parce que quand nous parlons nos langues, eh bien, nous sommes en train d'exprimer notre culture, n'est-ce pas ? Dans nos langues africaines, congolaises en particulier, le verbe « avoir », je ne le trouve pas. Je ne trouve pas le verbe « avoir » dans nos langues. On dirait que ce verbe nous a été amené avec le français et les autres langues de la colonisation, l'anglais et les autres, n'est-ce pas ? Parce que dans nos langues à nous, lorsque quelqu'un veut dire en lingala « j'ai un véhicule » par exemple, il dira « nazali na ». En swahili, il dira « Niko na ».« Niko », c'est « être »,« je suis ». « Nazali », c'est « je suis », n'est-ce pas ? Donc, nous sommes une civilisation de l'être. Et le terme même « bantou »,« muntu », »,« lentu », c'est l'être. Et donc, on a détruit cette civilisation de l'être, et c'est comme ça que moi j'ai beaucoup de respect pour le père Tempels, qui, ce prêtre qui a révalorisé le Muntu, la culture bantou, n'est-ce pas ? Nous devrons revenir à cela, et nous devrions retrouver nos sources, nos origines, n'est-ce pas ? Qu'aujourd'hui, cette civilisation de l'avoir est venu supplanter la civilisation de l'être qui était la nôtre. Et d'ailleurs, monsieur Lappé, pour vous compléter, le cadenas, nous ne connaissons pas nos cases. Voilà. Si vous aviez besoin de quelque chose dans la case de quelqu'un, vous voulez vous déplacer, vous prenez. En fait, il y avait une fermeture, c'est juste pour empêcher les animaux, les bêtes de venir. Oui. Mais sinon, vous savez que votre... tel un outil plus adapté à ce que vous faites,
Vous allez dans la case, vous prenez, vous utilisez, et puis vous remettez. Le cadenas est venu avec cette... Voilà. La solidarité, je crois qu'aussi aussi longtemps que nous ne recréerons pas des valeurs comme celles dont nous parlons, eh bien, on n'ira pas loin. On n'ira pas loin. Parce qu'on ne peut pas être heureux tout seul. Oui. On est heureux, il n'y a que chez vous qui a la lumière, les autres sont... Mais ils vous envient et demain, ils vont faire quoi? Ils vont peut-être vous tordre le cou, non? Ben oui. Enfin, oui, en fait... Nous sommes en train de faire le constat que 63 ans après ce qu'on appelle l'indépendance, on n'y est pas encore. Donc, parce qu'il n'y a pas eu cette décolonisation mentale, eh bien, nous avons continué le travail à la place maintenant de celui qui était directement sur place pour nous faire ce, faire ce qu'il y avait à faire. Maintenant, c'est nous-mêmes. Nous sommes devenus les relais locaux de cette colonisation. Avec l'État comme la corruption. Voilà. Et donc, le fait de nous demander de revisiter notre histoire, notre passé, c'est finalement pour nous, enfin, nous réapproprier non seulement notre passé, mais enfin nous approprier notre avenir. Parce que si nous notre âme, parce que si nous continuons à jouer le jeu que nous jouons maintenant, ça veut dire que nous resterons d'éternels colonisés. Tout à fait. Parce que, mon cher Modeste, il nous arrive à tous, nous sommes... Mais ne serait-ce que de constater que ce que je veux faire là, c'est pas bon. C'est déjà quelque chose... Mais j'ai l'impression que aujourd'hui, rares sont les gens dont la conscience... a été complètement enlevé et qui marche comme des robots. Ils savent même pas ce qui est interdit et ce qui n'est pas interdit. Je me souviens notre ami Mubimba qui disait Bijila, c'est-à-dire c'est interdit. Il n'y a plus d'interdit, on vit comme des bêtes. J'ai lu un article d'un Camerounais qui disait que chez lui c'était Sodome et Gomorre. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Il décrit: on n'est plus des humains, on est devenus des bêtes sauvages. Oui. C'est grave, il faut nous sortir de là. Oui. La conscience doit nous reprocher un certain nombre de faits. Et je crois qu'il est important, dans ce que nous sommes en train de dire, d'évoquer des noms de personnes qui, dans l'histoire, ont résisté à cette traite négrière, ont résisté à la colonisation et... sont méconnus aujourd'hui. On n'en parle pas. Est-ce qu'on enseigne à nos enfants, aux petits-enfants, est-ce qu'on leur enseigne, est-ce qu'on leur parle d'une dame comme Kimpa Vinta, qui a résisté et qui a payé le prix, qui a payé le prix fort de sa mort. Une résistante. On ne l'enseigne pas. Mais parce que nous n'avons pas la culture, monsieur l'abbé. Oui. Quand il y a... comment on appelle encore la femme, la française... Jeanne d'Arc. Oui. Mais les gens croient que les Napoléons étaient des anges. Ils avaient des tares, mais on a pris ce qu'ils avaient et on a mis au pinacle. Oui. Et c'est ce qu'il faut faire. Oui. Hein? Parce que nous cherchons des saints. Non, des saints, il y en aura. On en a d'ailleurs. Mais vous prenez, les gens m'excuseront, Mobutu, il avait, c'est un dictateur. Bon, il avait le bon côté. Ce sont les bons côtés que vous prenez, vous mettez. Regardez comment il fustige un certain nombre d'attitudes et tout ça. Prenez le bon côté et puis... mettez-les au pinacle, Napoléon, les anciens là dont on nous parle, c'était des hommes comme nous qui faisaient aussi du mal. Mais on a pris que le bon côté, on a appris aux enfants. Et des gens comme Simon Kimbangu, combien connaissent Simon Kimbangu? Même les Kimbanguistes, peut-être, ils ne le connaissent pas dans certains de ses aspects. Combien connaissent Simon Kimbangu comme résistant?
résistants à la colonisation. Combien connaissent réellement Emery, Patrice Emery Lumumba, comme un résistant qui a payé le prix fort aussi, qui a payé le prix, n'est-ce pas? Combien connaissent Joseph Albert Malula? L'âme africaine dont on était en train de parler ici fut une des conférences clés, disons, historiques que le cardinal Joseph Albert Malula, à l'époque, monsieur l'abbé Joseph Albert Malula, avait donné à Bruxelles. L'âme noire. L'âme noire, n'est-ce pas? Et ces personnalités, on ne nous les apprend pas dans notre histoire. Les enfants ne les connaissent pas, on n'en parle pas, n'est-ce pas? On ne fait pas ressortir ce qui a été leur combat pour que nous puissions faire le relais, pour que nous puissions poursuivre, continuer et aller jusqu'au bout de ce combat. On ne parle pas de Moussiri, voilà. Par exemple. Moi, j'ai cité ces quelques noms, parce que j'estime que ce sont des noms qui ont une certaine valeur par rapport à leur résistance. Un cardinal comme le cardinal Malula, n'est-ce pas? Tout ce qu'il a fait, avant même que Mobutu ne parle de l'authenticité, mais l'abbé Malula a été un des premiers, n'est-ce pas, à promouvoir la liturgie africaine, n'est-ce pas? Il a composé des chants africains. Parler de Congolais. Monseigneur de Lubumbashi, Monseigneur Kabanga. Kabanga, oui. Avec sa lettre. Je suis un homme. Je suis un homme. Combien connaissent cette lettre-là? Et c'est justement tout cela qui fait que si nous ne connaissons pas notre histoire, eh bien, nous allons reproduire les méfaits, les erreurs, n'est-ce pas? Parce que nous ne les connaissons pas, nous ne sommes pas conscients de cela. Pour que nous puissions avoir l'indépendance, il a fallu que des gens comme Malula, Iléo et d'autres intellectuels se mettent ensemble pour rédiger ce qu'ils ont appelé le manifeste de la conscience africaine, qui a été rédigé à Kasavubu, dans la commune de Kasavubu, appelée Dendal. N'est-ce pas? Donc où Malula a été curé à Christ-Roi. Vous connaissez l'endroit? Ah oui, oui, mais c'est là où, c'est là où il habite. Oui. Je viendrai voir. Mais combien connaissent cette maison où Malula a habité? Combien connaissent cette maison où a été rédigé le manifeste de la conscience africaine? Combien de Congolais ont lu ce manifeste de la conscience africaine? Combien de Congolais ont lu l'âme noire, n'est-ce pas, l'âme de l'homme noir que Malula a donné comme grande conférence à Bruxelles à l'époque, n'est-ce pas? Combien de Congolais ont lu ces textes, n'est-ce pas? Et je vais aller plus loin. Connaître notre histoire, c'est connaître aussi les actes de la conférence de Berlin. Beaucoup de Congolais ne connaissent pas les actes de la conférence de Berlin. Conférence pendant laquelle les maîtres, entre guillemets, n'est-ce pas, ont décidé, ont dépecé l'Afrique et ont fait du Congo un bien qui appartient à tout le monde. Et aujourd'hui, lorsque nous disons que nous ne sommes pas un État souverain, nous sommes, indépendants, est-ce que nous savons d'où ça vient? Ça vient du fait que, à la conférence de Berlin, 1885, ils ont décidé que le bassin du Congo devient ouvert à tout le monde, n'est-ce pas? Et tout le monde vient épuisé. Hier, c'était les Américains, les Belges, les Français et les autres. Aujourd'hui, les Rwandais, je dirais les sous-fifres de ces maîtres, eh bien, ils s'associent et ils viennent poursuivre, prendre leur part, leur morceau, n'est-ce pas? Et on s'étonne qu'on parle de balkanisation, on parle de ceci et de cela, mais en réalité, qu'est-ce que nous faisons pour nous réapproprier notre destin et pour dire, nous devons mettre fin à ce qui a été décidé à la conférence de Berlin. Maintenant, ce pays, c'est à nous. C'est à nous. Et ce n'est plus un no man's land, comme on dit en anglais, une terre sans maître où chacun peut venir épuiser sans contrepartie pour ceux qui y habitent, qui ne sont même pas considérés comme des êtres humains.
Eh bien, ça, c'est le grand combat. Et moi, je me dis, puisqu'on est en période où on parle des élections, moi, je me dis, les élections, ce n'est pas ça qui va résoudre le problème du Congo et de l'Afrique. Le problème du Congo, de l'Afrique en général, et du Congo en particulier, eh bien, moi, je pense que c'est le problème de la souveraineté. Et ce qui est en train de se passer au Mali, au Burkina, au Niger, un peu au Gabon maintenant, avec beaucoup de bémols, bien sûr, mais les trois pays que je viens de citer, le Mali, le Burkina et le Niger, eh bien, sont en train de créer, n'est-ce pas, un nouveau mouvement que j'appellerais le mouvement de la libération réelle et de la souveraineté de l'Afrique. Et il faut une solidarité, puisque c'est une valeur africaine, une solidarité entre nous, Africains, avec ces pays-là, avec ces nouveaux dirigeants-là, pour que nous puissions sortir l'Afrique de la colonisation qui s'éternise, qu'on appelle néocolonisation, de la colonisation qui s'éternise, avec tous les outils de la néocolonisation et aussi tous les nègres de service de la néocolonisation. Il faut qu'on y mette fin. Voilà. Et je crois que ce n'est pas par les élections qu'on mettra fin à cela. Ce n'est pas par les élections qui sont contrôlées par les autres, contrôlées par les mêmes maîtres de 1885. Ce sont eux qui vont dire, oui, celui-là, c'est bon, celui-là, c'est pas bon. Et quand ils disent, celui-là, c'est bon pour eux, et bon, pas bon pour nous. Ne soyons pas complètement pessimistes. Peut-être les bonnes élections pourraient... telles que vous les avez formulées, pourraient donner la possibilité à une certaine crème qui pourrait finalement se dire c'est fini cette affaire. Peut-être, pourquoi pas. Espérons. À condition que cette crème ne soit pas inféodée mentalement. Justement, sinon elle serait plus une crème, ce serait un poison. Voilà. Oui, là c'est vraiment le problème de fond. Oui. Parce que la souveraineté ne devient possible que lorsque les citoyens d'un pays qui sont conscients justement de ces enjeux-là choisissent, en fonction des défis à relever, un leadership qui corresponde à cela. Or, le système électoral, c'est pas pour rien que l'autre jour, notre ami José a amené le livre de l'homme qui a dit contre les élections. David Van Reybroek. Le système électoral, même chez eux, est quelque part corrompu. Mm-hmm. On l'a vu aux États-Unis. parce que il n'arrive plus à faire ressortir les meilleurs. Mm-hmm. Or, ça devrait être ça, l'enjeu. Ça devient des combinaisons, des choses tout à fait malsaines. Et ceux qui sortent, c'est comme si c'était un peu des numéros de magie. Vraiment. Donc, nous devons réfléchir sur notre... Parce que nous voulons choisir notre propre voie. Nous devons déjà nous dire qu'il faut sortir des sentiers battus. Nous ne devons pas continuer à copier servilement. Ah, mais là-bas, c'est tous les 5 ans. Ok, tous les 5 ans. Il y a l'opposition. Mais nous, on va jusqu'à 1000 partis. Donc, ce n'est plus. Alors, tout est dévoyé. Tout est dévoyé. Donc, il faut absolument revenir sur ce qui est fondamental pour se dire comment organiser la société de telle manière que les gens, les citoyens, soit organisé un peu comme des paliers pour dire les enjeux du monde, qui sont capables de les comprendre, de les saisir, et donc de choisir les leaders qui doivent nous conduire vers cela. Les enjeux du développement de nos provinces, c'était notre niveau. Mais lorsque on perd de vue que le tribalisme, quand il s'introduit dedans, il fausse les jeux, ben, on doit se dire comment contourner
ce piège tribal et ne faire émerger au niveau de nos provinces que de véritables managers qui vont diriger nos provinces et les faire avancer. Vous savez, mes chers amis, tu sais, l'indépendance arrive. Et puis, il y a des guerres, sécessions et tout ça. Nous, on pouvait manger chez les voisins, Mouloubakat, Kassayen, tout ça. Terminé. Si les parents plaignent que tu as mangé chez un Mouloubakat ou chez un Kassayen, tu as des problèmes, problèmes sévères. Vous vous rendez compte, l'indépendance qui vous arrive avec des choses comme ça, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et là, je vous donne complètement raison, mais n'empêche que nous tous, nous devons comprendre que ce pays nous appartient, qu'il doit être désormais souverain, véritablement souverain, qu'on ne nous amène pas n'importe quoi, monsieur l'abbé. Eh bien, je crois que le mot est dit. Le combat qui vaut la peine, le seul, à mon avis, qui vaille la peine pour nous Congolais, et pour nous, Africains, aujourd'hui, hier comme aujourd'hui, c'est le combat de la souveraineté. Ceux qui l'ont compris, ont bien compris. Et ceux qui s'organisent dans ce sens-là, eh bien, il faut les encourager et même les rejoindre pour que on soit nombreux à nous organiser pour rejoindre ceux qui ont compris que la souveraineté, c'est l'unique combat qui vaut la peine, n'est-ce pas? Et quand j'ai donné l'exemple des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens, les Nigériens, eh bien, je crois que ceux-là sont en train de comprendre et ils sont en train de faire une coalition qui, à mon avis, devrait s'étendre sur toute l'Afrique, n'est-ce pas? Et pour cela, je dis, il faut rejoindre ceux qui ont compris. Et s'interroger avec eux, n'est-ce pas? Que devons-nous faire pour que ce combat aboutisse à une véritable libération de l'Afrique? La libération de l'Afrique ne signifie pas que nous ne serons plus en relation avec les Blancs, avec les Occidentaux et les Américains et les autres, non. Mais la relation sera une relation différente, d'adulte à adulte, d'adulte à adulte. Et pas une relation d'enfant, d'éternel enfant à parents. Vous voyez? Et c'est mental. Ça se fait d'abord dans le mental. Noko. Il faut supprimer cette histoire. Et puis, nous tremblons devant les Blancs. Tout ce que le Blanc a dit, c'est ça. J'ai été souvent au Katanga à l'époque, n'est-ce pas? L'expression « Muzungu Ansema ». Muzungu Ansema. Quand le Blanc a dit, eh bien, c'est le bon Dieu qui a parlé. Muzungu Ansema. Et ce que le Blanc a dit, c'est parole d'évangile, c'est parole de la Bible. Ah non! Il est temps que les Congolais, Africains, nous puissions faire cette révolution. Moi, j'ai dit à tous ceux qui veulent m'entendre, nous devons faire une révolution mentale, culturelle. Il ne s'agit pas d'une révolution où on prendra les armes pour tuer les gens et prendre leur place et recommencer la même chose. Ça, c'est dépassé. Ça ne servirait à rien. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas des coups d'État à la manière de ce qu'on a connu dans ce continent. Ça ne sert à rien. Nous avons besoin d'une révolution mentale qui ne sera pas la révolution d'une classe, qui ne sera pas la révolution d'une certaine élite politique ou quoi, mais ça sera la révolution d'un peuple, de tout un peuple qui entre dans un processus de libération, n'est-ce pas, et petit à petit, qui va briser les chaînes, qui va promouvoir le vivre ensemble, l'humanité. Voilà. Modeste. C'est tout à fait cela. Mais pour arriver à cette révolution, il faut, comme... Tiens, mais les deux présidents qui se sont succédés, le président Kabila, quand il a terminé son dernier mandat, il a dit il n'a pas réussi à changer l'homme congolais. Ah, il a eu le mot juste. L'humilité de reconnaître qu'il n'a pas réussi cela. Oui. Et le président Tshisekedi, il arrive, il inaugure son mandat en disant qu'il veut changer l'homme congolais.
Bon, manifestement, ce n'est pas encore arrivé, mais c'est vraiment ça le vrai chantier. On doit d'abord changer l'homme congolais pour que l'homme congolais découvre, parce que pour qu'il se rende compte qu'en réalité, depuis 63 ans, il était comme dans un sommeil tout à fait inexplicable. Et là, maintenant, il se rend compte que, tiens, mais en fait, c'est moi le propriétaire de ce pays. Mais ce qui se passe montre clairement que moi, je ne fais rien pour montrer qu'effectivement, c'est moi le propriétaire. Et donc, il y a une organisation à mettre en place pour permettre enfin à l'homme congolais de se découvrir et de se dire que c'est fini. Ce jeu où il a été absent, le don de la farce, il faut y mettre fin. Voilà ce qu'il y a comme conclusion que je peux tirer par rapport à ce que nous venons de dire. Là où celui-ci s'est arrêté, ce qu'il n'a pas réussi à faire, c'est là où celui-là doit commencer et réussir, tant soit peu, mettre tout en œuvre pour réussir. N'est-ce pas? Et c'est l'homme. C'est l'homme. Lorsque le chef de l'État actuel a fait son discours, après son accession au pouvoir, il a fait son discours sur le programme d'urgence des 100 premiers jours du chef de l'État. N'est-ce pas? Eh bien, dans ce programme, j'ai retenu une chose, ce sont les infrastructures, les choses qui étaient à l'avant-plan. N'est-ce pas? Et je me suis donné la peine pour aider notre chef de l'État, pour aider notre pays, amener au chef un texte où j'ai dit proposition pour enrichir le programme de 100 jours du chef de l'État. Et dans cette proposition pour enrichir, j'ai mis en avant-plan l'homme. Et j'ai écrit dans l'introduction, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt votre discours sur le programme des 100 jours et j'ai beaucoup aimé le fait que tu as pris cette initiative de mettre ce plan, ce programme à la connaissance de tous les Congolais pour les prendre, pas à témoin, mais les prendre comme les acteurs, n'est-ce pas, de la réalisation de ce programme. Mais il a manqué quelque chose, c'est l'homme. Et la place de l'homme dans ce discours est arrivée à la fin du discours, lorsque le président a dit « Tout cela nécessite le changement de mentalité, le changement de l'homme congolais. » C'était la dernière phrase du discours. Mais dans le corps du discours, on n'a pas retrouvé ce qu'on devrait faire pendant les 100 premiers jours pour valoriser, remettre l'homme congolais à sa place et créer ce chantier, comme tu as dit, du changement de l'homme congolais. J'ai fait des propositions très concrètes à ce sujet, et malheureusement, comme on peut le constater, le changement de l'homme congolais tarde à venir. Le changement de l'homme congolais tarde à venir. Et si aujourd'hui, le chef de l'État veut concourir pour un deuxième mandat, je lui dirais, eh bien, c'est le seul chantier qui vaut la peine que tu puisses demander un deuxième mandat, c'est l'homme congolais. Le changement de l'homme congolais. Et ce changement-là, c'est un problème de conscience. Il faut que la conscience commence à nous interdire de faire un certain nombre de choses. Véritablement, vous êtes congolais. Et nous avons tout fait pour que nous demeurions congolais. On commence à considérer l'autre comme n'étant pas comme moi parce qu'il a la tribu. C'est bête, c'est ridicule. Arrêtons avec ces histoires-là. Qu'on puisse voler ce qui nous appartient, il faut arrêter avec. Que la conscience nous revienne de savoir ça c'est mauvais et ça c'est bon. Et nous irons véritablement. Monsieur l'abbé, je vous remercie. Modeste Monigaba, je vous remercie. Au revoir et dans 15 jours. Je vous remercie également d'avoir suivi ce numéro. Et bonsoir. Bonjour.